Nous sommes venus à cet événement MOVE pour discuter de mobilité partagée, aussi parce qu'on pense que Grenoble est une ville qui est pionnière en termes de mobilité. Lime aujourd'hui propose dans trois grandes villes, Lyon, Paris, Marseille, des trottinettes électriques en libre service qui sont disponibles au moyen d'une application et qui vous permettent de vous déplacer sur des trajets courte distance en ville et de pouvoir facilement aller au travail ou vous rendre à votre domicile, le tout au moyen de votre portable. Les enjeux de la mobilité en France, c'est avant tout de proposer un service facile d'accès aux citoyens, de décongestionner en fait les grandes villes et les moyennes villes. On a un vrai problème aujourd'hui de trafic automobile qui nuit en fait à la circulation dans les villes. L'explosion démographique dans les villes avec d'ici 2050, on va dire plus de 2 milliards de croissance de population va entraîner énormément de challenges et d'enjeux au niveau de la mobilité dans les villes. Et par conséquent, il va falloir de plus en plus réfléchir à comment proposer une infrastructure dans les villes qui soit en faveur de la mobilité douce, donc les trottinettes, les vélos, mais tout ce qui est mobilité douce, pour pouvoir finalement faciliter le déplacement en ville et réduire la congestion automobile. C'est pourquoi un événement comme le MOVE 2019 est très important pour réunir tous les acteurs d'une ville et de parler des enjeux de la mobilité de demain.